بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد الذي سنتحدث فيه عن درس البروبورسيوناليتي. البروبورسيوناليتي هذا الدرس كيهم البروميير اني كوليج. الو بالنسبة لهذا الدرس شفتو في البريمير، شفتو في شي حويجات بساط في البريمير، وغادي نزيدو نتعمقو في شي اشياء اخرى في هذا الدرس. الو بزاف المفاهيم بالعربية شفتوها، تناسبية، جدول تناسبية الى غير ذلك. الو maintenant on va commencer par les activités de la leçon. Alors, dima fait dars kandiro les activités bach nbniou wahed la leçon. Alors pour vous, prenez votre cahier de recherche ou bien des exercices, écrivez l'activité, puis répondre à les questions. Alors, recopiez, puis complétez le tableau suivant. عندكم هذا الطابلو غادي ترسموه وغادي تعمروه. لا كيسيون 2، كومون باستون دي نومبر دو لا لين 1 او نومبر دو لا لين 2؟ كيفاش انتقلنا من لا لين نيميرو 1 الى لا لين نيميرو 2؟ كيفاش لقينا لي نومبر ديال لو دوزيام لين؟ هذا هو لا كيسيون باش الوغ بور فو. قبل ما تشوف لا ريبونس ديما جاوب هو الاول باش تكومباري لا ريبونس ديالك واش صحيح ولا لا. الوغ لو طابلو ريبريزونت كوا لو كوت لو كوتي كوتي دان كاري 1 سنتيمتر. الوغ اون 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 5 سنتيمتر 10 سنتيمتر اكسيتيرا. الوغ اون 4 كاز. Alors, et la deuxième ligne, le périmètre du carré, 1 cm. Ça veut dire, quelle est la relation de périmètre d'un carré? Comment calculer le périmètre d'un carré? Alors, un petit rappel, on peut rappeler, un rappel, le périmètre d'un carré est égal à 4a. Ça veut dire 4 fois le côté d'un carré. Alors, la question c'est facile. Maintenant, c'est il a arfna la règle. Ça y est, ça fera arfna la réponse. Alors, 1 fois 4 est égal 4. 2 fois 4 est égal 8. 5 fois 4 est égal 20. 10 fois 4 est égal 40. Alors, on voit le tableau d'Yelna. La question 2. Qui fâche le qina les lignes ou les lignes numéro 2? Qui fâche le qina les nombres d'Yelna? سطر ثاني. الو سي فاسيل. الو درنا اش ضربنا في 4 فقط، تو سامبلومون اون ملتيبلي بار 4، اون ملتيبلي 1 بار 4، 2 بار 4، 5 بار 4 اي 10 فوا 4. الو اون ملتيبلي بار 4. الو سو نومبر هاد لو نومبر ابيلي كوا؟ الو ابيلي كويفيسيون، لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. الو هاد العدد كيتسمى معامل التناسب، شفتوه في البريمير يتسمى معامل التناسب، اون فرونسي لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. الو باس ا لاكتيفيتي نيميرو 2. لاكتيفيتي نيميرو 2 لا ميم شوز، توجور لي زاكتيفيتي كتبوا لاكتيفيتي، وقف الشريط وكتب لاكتيفيتي، ابخي ريبون جاوب، وابخي كومباري لا ريبونس. Une usine produit 1200 bouteilles en 3 heures. La question c'est quoi? Combien de bouteilles produit-il en 1 heure? Et la deuxième question, en 2 heures. Alors, la réponse c'est facile. Alors, on peut tracer un tableau. On peut dire le tableau, on peut me dire. Ça dépend. Alors, la première ligne, nombre de bouteilles, et le deuxième ligne, le nombre d'heures.
كنقلبوهم بحال بحال. الوغ عندنا 1200 بوتي 3 الوغ هادو هما لي دوني في المعطيات. عندنا 1200 بوتي اون 3 زور. الوغ قال لك شحال غادي اي ينتج لينا في واحد الساعة وشحال غادي ينتج لينا في 2 زور. الوغ لا ريبونس سي سا. Mais quelle est la méthode? Comment trouver 400, 800? Alors, la méthode, c'est comme ça. Alors, on a 1200 divisé par 3 est égal à sur 1. A, c'est quoi? A, c'est le nombre de bouteilles produites en une heure. Alors, A est égal à 1200 fois 1 divisé par 3 est égal à 400. Alors, فواحد الساعة غادي يدير لينا 400 بوتي. Pour 2 heures c'est la même règle. On a 1200 divisé par 3 est égal b sur 2. Alors b est égal 1200 fois 2 divisé par 3 est égal 800 bouteilles. Alors c'est facile. Alors on passe à l'activité numéro 3. Dans un collège de 360 élèves, عندنا 360 تلميذ. 171 d'entre ou sont des garçons. Ça veut dire 171 Roma des garçons. Petit A. La question numéro 1. Quel est le pourcentage des garçons? Alors, شحال كيمت ليا le pourcentage des garçons. La question 2, déduire le nombre de filles et laquelle le nombre de garçons 171, achnawal le nombre de filles. La question 6, calcule de deux manières différentes le pourcentage de filles. Ça veut dire calculer de deux méthodes différentes le pourcentage de filles. Alors, toujours répondez à l'activité pour comparer la réponse. Alors, la question 1. Le pourcentage des garçons. Alors, un netmiostin représente quoi? 100% des élèves. Alors, on fait la règle de 3. Les 4 la règle de le produit en croix. Alors, la règle de 3, en mathématiques. Le produit en croix. Alors, le nombre total représente 100% des élèves. Alors, 171 les garçons, شحال غادي il représente les 9 le pourcentage. Alors, on calcule le pourcentage des garçons, PSG. Alors, un arrêt de l'intention, PSG, est égal à 171 fois 100 divisé par 360. Alors, maintenant, on va faire une calculatrice, on va faire comme 47,5%. La même chose. Alors, on passe à la question B, le nombre de filles. Alors, c'est plus facile parce que on a 360 élèves. Alors, on peut soustraire 171. On trouve la réponse. Pas d'interroger le farco, pas d'interroger la réponse. C'est facile. Alors, le nombre de filles, avec is, ici. Alors, on a 360 moins 171 est égal à 189. Alors, c'est facile. Alors, هنايا غادي تدير الفرق غادي تلقى لا ريبونس. Alors, هذا هو لو نومبر دي ديفي. Alors, on passe à la question C. Calculer le pourcentage de filles par deux méthodes. Alors, on a la première méthode, c'est on fait quoi? La première méthode, alors on a le nombre total des élèves représente 100%. Et on a calculé et c'est quoi? Le pourcentage des garçons. Alors, on peut
Faire une différence. 100 moins 45,5 est égal au pourcentage des filles. Alors ça, c'est comme ça. Non, mais ça, c'est la réponse, c'est le deuxième. C'est la méthode de le deuxième. 100 moins 47,5 est égal à 52,5. Mais la deuxième méthode, ça c'est la première, c'est ça la deuxième, c'est la même chose. Alors, on peut faire comme ça. 360 divisé par 100 est égal le nombre des filles. Alors, on a ici le nombre des filles, c'est 189 divisé par le pourcentage des filles. Et on calcule PF, le pourcentage des filles est égal à 189 fois 100 divisé par 360 est égal à 52,5. Mais ici, dans les deux méthodes, on trouve les mêmes résultats. Ma chère, غادي تمشي وتحسب وتلقى هنا في واحد لو بورسونتاج هنا بورسونتاج. Pourquoi? Parce que ما تبدلش لينا لو نومبر دي في. Alors, on passe à le résumé de la leçon. Alors, grand 1, la proportionnalité. Petit 1, tableau de proportionnalité. شفنا la première activité, شفنا tableau de proportionnalité. Définition. Un tableau, il dit de proportionnalité. Lorsqu'on obtient chaque nombre d'une ligne, on multiplie le nombre correspondant de l'autre ligne par un même nombre. Ce nombre appelé coefficient de proportionnalité. Qu'on appelle coefficient de proportionnalité. Alors, quand vous le tableau ra tenasubi, il a les nombres de la première colonne, la première ligne, le même nombre, les nombres de la deuxième ligne. Hadak le nombre appelé coefficient de proportionnalité. Alors, hadawa tableau de proportionnalité. Oui, il a mal. إلا ما إلا لقينا سميتو ما يمكن إلا لقينا غير واحد لا كاز ما صحيحاش راه ما تيتسماش طابلو دو بروبورسيونال سا فو دير تو لي نومبر دو لا بروميير لين اون ملتيبلي بار لو ميم نومبر اون تروف لي نومبر دو لا دوزيام لين اكزومبل alors on a ce tableau on remplit une alors on a ce tableau. On a le temps et la quantité de versets par lettre. Alors, on a 2, 10, 20, 70 et ici, c'est 4, 4,6, 23, 66 et 161. Alors, pour dire est-ce que ce tableau est un proportionnel ou bien est un tableau de proportionnalité ou non, on vérifie est-ce que la division de les nombres de première ligne par les nombres de la deuxième, est-ce qu'on peut trouver un même nombre ou non. Alors, comme ça. Alors, on compare les questions. On a 4,6 divisé par 2 est égal à 2,3. Et 20, 23 divisé par 10 est égal à 2,3. Et 46 divisé par 20 est égal à 2,3. Et 161 divisé par 70 est égal à 2,3. On peut vérifier ça par une calculatrice. Alors, ça veut dire quoi? On trouve un même nombre. Alors, Adawa, le coefficient de proportionnalité. Ça veut dire ce tableau, on peut dire que ça, c'est un tableau de proportionnalité. Alors, on remarque que les quotients sont égaux, donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, et 2,3.
et le coefficient de proportionnalité. Alors, 2,3, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, très bien. Alors, on passe à exemple numéro 2. Est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité ou non? Le tableau suivant indique le tarif de vente de CD par correspondant. Le nombre de CD et le prix. 1, 2, 3, 4, 5 et 15, 25, 35, 44, 50. Alors, on compare les quotients. 1 divisé par, ou bien 15 divisé par 1. 15 divisé par 1 est égal à 15. Alors, ça, c'est une autre remarque. On peut diviser le nombre de la première ligne par le nombre de la deuxième ligne. Et on peut diviser le nombre de la deuxième ligne par la première ligne. C'est la même chose. Alors, ici, est égal à 15. Et 25 divisé par 2 est égal à 2,5. Alors, ici, on a 2,5. Ici, c'est 15. Alors, est-ce que les deux nombres sont égaux? Non. Alors, blaman kemmel hadouk l'ukhrin. Directement, on dit, ce tableau n'est pas proportionnel. Alors, les deux quotients ne sont pas égaux, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Il suffit de deux quotients différents pour affirmer que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Il a le qu'il le juge, même si ça fait qui est confirmé que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Mais c'est un tableau de proportionnalité. Alors, on passe à la deuxième, la représentation graphique. Le tableau, il a qu'un proportionnel ou il a qu'un n'est pas proportionnel. Alors, propriété, si les points du graphique sont alignés avec l'origine, alors on est dans une situation de proportionnalité. Il a qu'un nous, les points alignés avec l'origine, ça veut dire c'est une droite qui passe par l'origine. La représentation, c'est une situation de proportionnalité. Il a mécanus, ça veut dire khata. Alors, si, sinon, non. Alors, il a canus, donc les points alignés avec l'origine, une situation de proportionnalité. Ou l'inverse, non. Il a canus, les nombres, les points, il a canus, les points ne sont pas alignés avec l'origine, alors, et dans une situation n'est pas proportionnalité. Maintenant, situation de proportionnalité. On construit les graphiques représentant les tableaux précédents. Ah, donc, les tableaux, les derniers, on construit, tableau l'oul ou tableau ten. Pour l'exemple numéro 1. Alors, on a ici, on peut. Alors, on a le premier tableau ici. 2, 4,5 et 10 et 20 et 23 et 20 et 46. Alors, ici, on a. Alors, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et la quatre fois, on a 20 et 46. On a ici. Alors, etc. On peut dire chauffer les tableaux qui représentent les. Alors, quatre chauffe que les points sont alignés avec l'origine. Alors, tableau de proportionnalité. Les points de la représentation graphique sont sur une droite qui passe par l'origine, c'est une situation de proportionnalité. Alors, il a qu'un, c'est vrai. On va chauffer l'autre exemple. L'exemple numéro 2, le graphique. On a que l'origine,
و 0 toujours l'origine c'est 0 0 alors هادو واخا كاع هما ممكن يكونوا اليني ولكن الا ما كانوش مع لوريجين راه ماشي بروبورسيونيل ولكن هاد لو بوين كاع ماشي اليني مع هادي هانتوما الا شفتو مزيان هادي ماشي اليني مع هادي alors هاد لا سيتياسيون ني با بروبورسيونيل alors les points de la représentation graphique ne sont pas alignés ce n'est pas une situation de proportionnalité alors ça c'est باختصار الى الطابلو مني تتمثلو كيعطيك مستقيم كيمر من لوريجين ديال هذاك الميبيان فراه كيتسمى طابلو سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي وضعيه تناسبيه الى عطاك لي بوين ني با اليني ولا حتى الى اليني وماشي مع لوريجين راه ماشي سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي alors بينك On passe à la deuxième, c'est le quatrième proportionnel. Qui fait qu'on appelle la quatrième proportionnel? Rabel Moutanassi. Propriété. Dans une situation de proportionnalité, la quatrième proportionnelle est le quatrième nombre x calculé à partir de trois nombres déjà connus. Ce qu'on a dit trois connus, ben on appelle la quatrième. Alors Dans un tableau, ce tableau que tu vois qu'on fait A, B, C, X. A, B, C, trois nombres connus, comme des nombres décimaux relatifs. A, B et C. Par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. X, un nombre inconnu. Alors, comment calculer ce nombre? Alors, on applique la règle X est égal B fois C divisé par A. Exemple, alors si on a alors on a ici le tableau, comme ça, A est égal 30, C est égal 36 et B est égal 24. Alors, comme ça. Alors, X, c'est inconnu. Alors, comment calculer ce X? Alors, on écrit X est égal B fois C sur A. Alors, on remplace B et C et A. Alors, 30, 24 fois 36 divisé par 30. Alors, comme ça. Est égal 28,8. Alors, c'est plus facile. هذا كنستعملو الرابط المتناسب هو اسهل شيء. كيكون عندك طابلو واحد الخانه ما معروفاش اذا كتطبق لا ريغل ديريكتومون. لو بورسونتاج. Alors, appliquer un pourcentage. Qui fait qu'on a un pourcentage ou qui fait qu'on a un pourcentage de le produit عندنا. Ou là, qui a un solde ou qui fait qu'on a le pourcentage. Il y a un pourcentage, etc. Alors, il y a un pourcentage le pourcentage. La propriété. X désigne un nombre. X représente le nombre. Prendre X pourcent d'une quantité. C'est multiplier cette quantité par x sur 100. Alors, élaborer le pourcentage de la quantité. Avec la quantité, on va faire x sur 100. On va faire par exemple, le métal qui est la propriété. On va dire deux exemples, Inch'Allah. Alors, une tablette de 125 grammes du chocolat contient 28% du sucre. Là, on a une tablette, une petite grande, qui a 125 grammes de chocolat. Ma grande, c'est beaucoup, 125 grammes, c'est... Alors, contient 28% du sucre. Il y a 28% في المية ديال السكر بينا نعرفو شحال هاد 28% شحال كتمثل من غرام يعني الا حيدناها من 125 غرام شحال غادي يبقى لنا ولا الا حيدنا الوغ بينا نعرفو هاد 28% شحال كتمثل من غرام في وسط هاد الطابليت ديال الشوكولا الوغ سي فاسيل الوغ اش قلنا هنا هذاك لو كونتيتي فاش خصنا نضربوه في هاد اكس ديفيزي بار 100 هايا اكس
sur 100. Alors, 28 divisé par 100 fois هذاك لو كونتيتي عندنا 125 ضربناها فاش 28 ديفيزي بار 100 الوغ ايتيغال 0,28 الوغ 28 ديفيزي بار 100 سي 0,28 فوا 125 ايتيغال 100 ايتيغال 35 غرام الوغ il y a 35 غرام دو سكر دون سا تابلت الوغ عندنا 35 غرام دو سكر فهاد لو تابلت. Exemple numéro 2. Alors, un article d'une valeur de 310 dirhams est vendu avec une remise de 8%. Calculons son prix définitivement. Dairin solde de 8%. 8%. Chal, qu'est-ce qu'il y a de l'article? Il a, yani, حيدنا منه هذاك الصوت شحال باش غادي ندي الوغ نتا جيتي ولقيتي واحد واحد لا بلاك فيها 8% يعني في هذاك لارتيكل فيه 8% الثمن ديالو 310 درهم شحال باش غادي تشري الوغ تي ابليكي لا ريغل صح الوغ 8 و ملتيبلي 8 سير 100 فوا 300 ها هو لو كونتيتي 310 dirhams fois la règle x divisé par 100. 8 sur 100 alors est égal combien? Est égal 20 24,80. Alors 24,80 هذه اش كتمثل لنا كتمثل لينا داكشي اللي غادي تنقص ليا من لو بري اللي معلق هاو الوغ 24,80 درهم هي 8% الوغ اش غادي ندير باش انا ندي باش نعرف شحال باش غنشري غادي نقص هاد 24,40 من 310 درهم الوغ ملي غادي نقص منها غادي نعرف ها شحال اللي غادي نعطيه المول الحانوت الا كان هذاك هو مول الحانوت ولا هذاك لا ماغازان ولا الوغ هذه هي لا ميثود نتمنى انكم استفدتوا فهمتوا مزيان هذا في هذا الدرس واخا طولت عليكم بزاف ولكن مزيان تشوفوه فقره بفقره حتى تفهموها والا ما فهمتوا عاود عاوتاني الفيديو والا ما فهمتي اطرح عليا السؤال في لي كومونتير وغادي نجاوبك ان شاء الله الوغ كالكولي ان بورسونتاج كومون كالكولي ان بورسونتاج Le pourcentage est égal à la valeur partielle divisée par la valeur totale fois 100. Quand on dit la valeur partielle, ça veut dire le juz'i. Le qima, le juz'iya, la qima, le kulia, ou quand on drabouha, fmiya. Hadi la bina narfo, le pourcentage. Exemple, maintenant, dans une classe de 8, de 28 élèves, adna, 7 élèves sont différents. Le pourcentage d'effet dans cette classe est quoi? Alors, nous savons le pourcentage d'effet. Nous avons 7 élèves qui ont l'effet. Alors, qu'est-ce que nous savons le pourcentage? Nous avons la valeur partielle. La valeur partielle, nous avons 7. La valeur totale, nous avons 28. Le nombre total, nous avons 28. Ou la valeur partielle, nous avons 7. هاد الشيء اش غادي ندير 7 ديفيزي بار 28 فوا 100 ها هي 7 ديفيزي بار 28 فوا 100 ايتيغال 25% الوغ وهاني عرفت لا فالو لا ريبونس اكزومبل نيميرو 2 ان رومبلي ان بوتي دين كونتينون دو 1,5 لتر افيك 75 سنتيلتر دو جو دورون عندنا واحد لو بوتاي كتهز 1,5 لتر الو بغينا نعمروها الو il sera plein à quoi شحال فاش غادي شنو هو البورسونتاج الا درنا فيها 75 سنتيلتر شنو هو البورسونتاج ديالها الو شحال واش المهم سا ديبون داكشي اللي بغينا نعرفو حنا في لا كيستيون الوغ عندنا
Quoi? La valeur totale, شحال كتهز هذيك لو بوتي 1,5 هذه هي لا فالور توتال. الوغ و لا فالور بارسييل هي شحال 25 سنتيلتر. هنا خصنا نردو البال، عندي هنا سنتيلتر و عندي هنايا لتر، الوغ ميمكنش ضروري خصني يكون عندي بحال بحال. الوغ هاد 20 الوغ هاد 75 غادي نرجعها لتر، غتعطيني 0,75 لتر. فاش غنضربها؟ غنضربها في 100 وغادي نحسب غتعطيني 100% 100% 100%. الوغ تخي بيان. الوغ أبقى لي نقول لكم إلا السلام عليكم ورحمة الله، و نتلاقاو في لا فيديو الجاي ديال لي زابليكاسيون ديال هاد الدرس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.